Alors, donc, à la fin de chaque ouvrage, il faut arrêter les mailles. Je vais vous présenter quelques méthodes que j'utilise souvent pour arrêter les mailles. Donc, la première, elle est très simple. On l'appelle méthode simple pour abattre les mailles. Ce que je en fais, on tricote les deux premières. Ici. Je viens piquer l'aiguille gauche dans la première maille. Et je ressors ici. Je refais, je tricote maille et je fais que je vais répéter l'opération jusqu'à la fin. Là, on avance pour arrêter l'omail. Et voilà.